Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous parler des crochets. Donc il y a deux types de crochets pour vous devenir le roi des crochets, avoir des crochets puissants, efficaces et devenir des crochets de ouf. Donc si on rappelle bien les règles, un crochet comme ça, c'est le crochet à la française. Je vais y aller très vite. Donc c'est un crochet à la française. Qu'est-ce qui travaille sur ces types de crochets? L'épaule et les hanches. Donc si vous faites le test ici, tac, vous allez sentir que c'est que l'épaule qui travaille ici. Là, vous allez sentir peu. Et les crochets à l'américaine, tout ce qui est boxeur professionnel comme Mike Tyson, Mohamed Ali, c'était des crochets comme ceci qui donnaient. Déjà de une, pour éviter de se casser le pouce si on le donne comme ça, pour éviter de prendre le pouce, puisque le pouce est en haut, et vraiment venir ici. Et le travail de rotation. Qu'est-ce qui travaille ici? Donc dans ce crochet-là, qu'est-ce qui travaille? Moi, je le sens, c'est les pecs, les dorsaux et les muscles. On va rajouter la force des hanches et du hara. La contraction. Vraiment cette contraction. Et le crochet, pas comme ceci, mais comme ceci. On va mettre les gants vite fait. Donc, je vais y aller très vite parce que j'ai peu de mémoire sur mon téléphone. Je suis vraiment désolé les abonnés. Hein. Et puis, j'ai pas mon logiciel, je suis chez moi. Donc, mes parents sont en Martinique et je les rejoins bien sûr après pour vous faire de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Donc, le crochet, non comme ceci, puisque là, on sent que c'est ça qui travaille. Et là, vraiment sentir ancré. Donc, deux types, travailler ici. Au corps avec l'esquive. Premier type de travail. Deuxième type de crochet, c'est vraiment au corps à corps. Ici, on a un corps à corps, vraiment bam. Venir sortir et contracter. Bam. Vraiment au corps. Ou à la tête. Après, le troisième type en baston de rue, ce crochet-là peut être efficace parce que si on vise tout le coin de la mâchoire, tout ce qui est lié à la mâchoire, c'est le point des KO. Pour les boxeurs, et ça marche très bien. Plus le gant qui ajoute une impact. Nous, avec les poings, ça marche aussi. En baston de rue, on sera là, ici, qu'est-ce qu'il y a? On essaie de calmer le truc, surtout mettre les mains devant pour calmer le truc. S'il ne veut pas se calmer, boum. Vraiment venir ici, calme-toi, hein, je ne veux pas d'emmerde. Hein, et boum, vraiment sentir ce crochet ici. Comme ça, boum. Et venir rentrer, comme si, venir ancrer. Donc je reprends, travailler, boum, travailler, boum. Et après, travailler encore à corps. Ou vraiment le travail de baston ici, relâcher, et là, boum, voilà. Souvent, je vous conseille de mettre le premier coup, parce que souvent, en baston, ça peut prendre l'avantage. Voilà. Donc, abonne-toi si t'as aimé, lâche un pouce en l'air ou un pouce en bas, et je te donne rendez-vous en Martinique le 13 août pour de nouvelles vidéos. Ciao.